Bonjour! Donc, déjà, c'est l'heure de notre vidéo en direct. Donc, pour vous montrer les tendances mode de l'automne 2024, donc automne-hiver 2024. Donc, on vous présente ce matin les compagnies. On a des nouveautés de la collection Tricoteau, de la collection le Dolce Vita. Et des nouvelles quantités dans la collection de TCYC qui est vraiment très populaire, là, qui s'envole comme des petits pains chauds. Donc, je vais juste redresser la caméra de l'Instagram, il me semble que je t'écroche. Donc voilà, bonjour à vous qui êtes à l'écoute. Il me semble que je ne suis pas centrée non plus. Bon, je pense qu'on est bon, c'est bon. Je vous montre, parce que vous avez remarqué, j'imagine, que dehors c'est plus frais. J'ai quelques manteaux à vous montrer là, pour faire la transition. Hein. On est quand même assez frisquet. Le matin, on est pas, notre corps n'est pas habitué. Mais on n'a pas le goût de mettre tout de suite un manteau trop chaud. Moi, je compte surtout sur les foulards pour réchauffer nos vestons, nos grosses vestes. Donc, ça fait toute la différence pour le look. Là, moi, j'ai vraiment mis... ça, c'est de Luc Fontaine. Justement, là, on se prépare pour notre événement. Elle est magnifique, cette veste-là. Là, je vous montre qu'est-ce que vous préférez. Là, j'ai mis vraiment du... Avec le noir, on parlait avec n'importe quelle couleur. J'ai vraiment mis ici du mauve avec plein de couleurs très colorées, hein? Plusieurs couleurs différentes. Est-ce que vous êtes plus classique pour aller dans un imprimé noir et avec un peu de bleu? Hein? C'est ça, quand on change de couleur, ça change complètement notre look. Lequel préférez-vous? Est-ce que vous préférez avec le mauve? Je vous enfile le bleu ici. Donc, hein, j'en profite pour vous donner le truc pour que le foulard tombe bien. Hein? On prend une pointe pour que ça nous allonge la silhouette, pour que ça tombe carré. Hein? Peu importe qu'on le porte plus de chaque côté comme ça ou qu'on l'attache, là, il tombe toujours bien. Donc, on a la version bleue comme ça ici ou dans les tons de terre. Qu'est-ce que vous préférez? Avec le bleu, ça fait un petit peu plus classique, l'imprimé bleu pour les clientes qui sont un petit peu plus classiques. Et pour celles qui vont oser le cuivre, hein, ça aurait été très joli, mais celui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est réversible. Donc, avec les petits cœurs, les cœurs sont vraiment très, très, très présents pour la saison d'automne. Donc, ça aussi, ça pourrait être vraiment joli également avec la belle veste. Là, je vous demande lequel des trois préférez-vous. Donc, l'imprimé avec le bleu, l'imprimé multicolore ou bien l'imprimé cœur et cuivre. Donc, j'aimerais savoir votre opinion. Quelle est plus, ou bien, si vous êtes complètement unis, dites-nous en commentaire que vous n'aimez pas les imprimés. Je vous montre la veste sans foulard pour vraiment vous montrer tous les détails. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est que la ganse, hein, Luc Fontaine a pensé à ça. Moi, souvent, la ganse, elle se retrouve dans ma porte d'auto, elle traîne à terre, hein, ça peut arriver. Celle-là, elle n'est pas trop longue puisqu'elle commence à la moitié ici. Puis, on a juste qu'à l'attacher comme ça. On peut faire juste un petit nœud. Donc, c'est vraiment très facile aussi pour cintrer la taille. Les poches sont vraiment très bien situées. Et aussi, on a le tissu qui est vraiment confortable. Donc, on peut s'en servir pour mettre par-dessus, là, comme j'ai un veston en dessous, pour manteau d'automne, mais c'est un tissu qui est très léger, on peut le porter à l'intérieur. Donc là, vous venez de voir mon veston, ça c'est le veston de la collection de Dolce Vita. Y a quelqu'un qui peut m'emmener un bijou, j'ai oublié complètement, un bijou court, en tout cas, regardez là. J'ai le beau veston de la collection Dolce Vita avec les cœurs. Ça, c'est quand même assez punché, il faut oser. Et on a également avec, ah merci, avec la jupe en cuir vegan. Vraiment le fun aussi d'avoir une petite jupe très confortable. C'est lavable à la machine. Hein? Donc, cuir vegan ici, la jupe de la collection, toujours Dolce Vita à 92 $. Le veston, ça c'est vraiment le veston qui est un peu plus artiste là, avec les imprimés.
Donc, vraiment très joli. C'est sûr que tout de suite, quand on ajoute un bijou, hein, ça complète le look. J'ai mis un petit... j'aurais pu porter un petit chandail noir qui est très léger pour aller en dessous. C'est de la compagnie Dolcezza. Moi, j'ai opté pour ma camisole noire puisque ça me fait un épaisseur de moins à ajouter. Et toujours dans la collection Dolcezza, eh bien, je vais le garder dans le fond, le fameux manteau avec les cœurs. Je pense qu'on l'a déjà présenté, mais je vous le représente ici. C'est le manteau parfait pour l'entre-saison, mais j'ai plusieurs clientes qui portent tout l'hiver avec quand on sort pour rendre l'auto, faire les commissions. C'est vraiment le manteau parfait, léger, confortable. On a de l'aisance au niveau des épaules. Regardez l'imprimé avec les cœurs, il est vraiment magnifique. Ça va avec tous les pantalons dans le fond, parce qu'il y a tellement de couleurs dans l'imprimé que peu importe la couleur de votre pantalon, ça va être joli avec ça. Donc, c'est toujours de la collection Dolcezza. L'intérieur doublure, tout rouge, ça donne un petit punch quand on accroche notre manteau. Ici, ce manteau-ci, ah, il n'est pas étiqueté, lui. Ah, je vais vous dire ça. Le prix, 279, donc le prix du manteau Dolcezza. Regardez, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que le capuchon s'enlève. Donc ça, hein, il y a des gens... Je préfère des fois dans l'auto enlever le capuchon, mais quand on est coiffé, c'est bien intéressant d'en avoir un. Donc, c'est de la collection Dolcezza. Le veston, regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, les boutons sont carrés. Donc, il faut vraiment s'aligner quand qu'on les enlève. Mais ça fait vraiment un beau petit détail qui fait différent, qui fait original. Donc, et c'est toujours le fameux tissu qui reste très, très beau, qui reste, on lave, on le suspend, aucun repassage nécessaire. Le veston, il est 170 de la compagnie, toujours Dolcezza. Dans la même collection, on a également eu le chemisier, reste quelques tailles, chemisier qui est vraiment magnifique. Sur notre site internet, je pense qu'on voit la photo justement de ce chemisier ici avec la jupe à effet cuir, qui se fait vraiment un bel effet. Là, je ne l'essayerai pas pour allonger la capsule, mais vraiment un bel ensemble avec aussi, pour celles qui ont un peu plus chaud, allez-y avec un chemisier, c'est plus facile. Donc, on a eu différentes choses aussi de la compagnie Tricoteau. Je vous montre ça à l'instant. Je vais garder ma jupe pour vous montrer les tops qui sont vraiment jolis avec ça. Pour les frileuses, un chandail tricot ici. Je vous dis, celui-là est 159. Je vous dis qu'il y a un petit peu de laine, mais c'est pas une laine qui est très... C'est pas piquant à l'extrême parce que moi, j'ai été surprise en l'essayant. C'est vraiment quelque chose qui pique pas vraiment. Donc, regardez si c'est joli. Je vous montre les détails, c'est tellement joli. Tout de paillettes comme au niveau des coutures, au niveau du col ici. Donc, vraiment un chandail qu'on vient de recevoir en boutique. Le dos noir, donc avec le devant dans les tons de beige et ivoire. Vraiment un super beau petit chandail de la compagnie Tricoteau. Un autre item, c'est sûr qu'avec une jupe noire, c'est quand même une base. Hein? Donc, on peut y aller avec plusieurs... items, celui-là, vraiment très joli. Les clientes qui sont chaleureuses, celui-là, il est léger, doux. Tout pour les clientes qui sont plus chaleureuses. 159, j'aime beaucoup les détails sur la manche. Je vous l'enfile et je vous montre ça. Très simple, mais avec la petite ouverture sur le côté. Donc, on a vraiment des beaux détails. Ici, là, si vous remarquez bien, c'est vraiment une petite poche. Beau détail aussi, différent d'un côté et de l'autre. On a la poche d'un côté et la bande de l'autre côté. Regardez si c'est joli. On a même le rappel aussi de l'imprimé ici. Donc voilà, c'est de la collection Tricoteau. Vraiment un super beau chandail, très léger et original aussi. Donc avec le noir, hein, c'est parfait, mais avec les couleurs de crème, comme ah ben, j'en ai un juste ici, ça pourrait être très joli également, là, faire un beau look. Vous pouvez aller avec un veston noir par-dessus, ça pourrait être vraiment excellent. Donc, ensuite de ça, on a reçu, là j'ai une robe à vous présenter de Tricoteau, mais je vais garder ma jupe pour vous montrer les autres hauts qu'on a reçus. Et on va par la suite, ça va être plus rapide. Donc, le chandail ici, disponible jusqu'à extra large,
je porte un small dans la collection tricoto. Une veste qui est parfaite pour les entre-saisons, hein, parce que comme je disais, on n'a pas le goût de mettre tout de suite nos manteaux. On l'a eu donc c'est la nouvelle couleur, le rose, elle est magnifique. C'est la veste, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est un peu un effet, pas fausse fourrure, mais vraiment tellement douce, puis elle a du corps, on peut s'en servir vraiment comme manteau. Je vous l'enfile pour vous montrer. Donc voilà, regardez si c'est joli. La veste de la collection CY. C'est là, moi j'ai la médium parce que je pense que la small est plus disponible. Ici, on a la manche. Moi, j'aurais un tour de plus. Je ferais un tour de plus pour avoir vraiment la bonne longueur de manche, pour avoir une belle silhouette. Donc voilà. C'est sûr qu'on peut ajouter un foulard plus neutre à ce moment-là, un beau foulard dans les tons de ivoire ou de noir, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est la veste très qu'on a envie de porter à ce temps-ci à cause que la température a vraiment baissé et on a le goût. On a besoin de douceur pour nous faire passer la transition. 110$ pour la veste dans le rose. Il nous reste une small aussi dans les tons de camel. Donc vraiment le carreau, il est caramel au lieu d'être dans les tons de rose. Ensuite de ça, c'est le retour de la fameuse veste cœur. Écoute, ça fait plusieurs fois qu'on la commande. C'est vraiment un item, ben, je vais vous l'enfiler. C'est un item gagnant. Tout le monde adore la douceur, le look aussi. Puis c'est vraiment un effet débardeur, mais sans avoir la chaleur de deux, un par-dessus l'autre. Donc, c'est vraiment, regardez, petit effet débardeur ici. On peut la porter vraiment fermée. Elle est super belle fermée. Elle a de vraies poches qui sont vraiment camouflées. Mais sinon, on peut la porter ouverte, pourquoi pas, avec une camisole noire ou bien dans les tons de ivoire aussi. Ce serait vraiment très joli également. Et le même pantalon ivoire, regardez si ça donne de la lumière. Puis on pourrait y aller avec une belle petite botte noire également. Ça pourrait être vraiment très joli. Ça, c'est dans le fond, c'est les items là qu'on a reçus de nouveau. Même chose, un item, on a les cœurs roses qui est de retour. Il y a les cœurs bleus également. C'est le chandail douceur, léger. L'essayer, c'est l'adopter. Je pense que toutes les clientes l'ont essayé, la plupart l'ont acheté. 70$ seulement, très très doux, avec c'est un gris argent. Et on a aussi les beaux petits détails de cœur juste en avant. On a celui-là dans le bleu également, pour aller notre fameux pantalon. Et le retour du les cœurs sur la corde à linge ici, dans les tons bleus, c'est vraiment très beau avec notre cuir vegan de CYC qui est toujours populaire pour son confort, puis aussi pour son fit. C'est vraiment un beau fit. Et deuxième version de ce chandail ici avec la bande dorée ici. Vous savez qu'il y a beaucoup de doré pour la saison automne-hiver 2024. Donc, les cœurs sur la corde à linge dans la version noire, on l'a reçu, c'est nouveau aussi. Donc, je peux vous l'enfiler pour vous montrer le fit parce que je pense qu'on n'a pas montré noir. Et voilà. Je vous enfile ça à l'instant. Le cardigan avec les cœurs, donc le prix, je ne sais pas si je vous ai dit, 95$, vraiment un petit cadeau qu'on se fait à nous puisque c'est très, très doux. Moi, je l'ai personnellement. C'est vraiment très confortable. Et j'enfile celui-ci. Il y a aussi on n'oublie pas notre événement 45 ans avec vous. Hein. Ça fait 45 ans que la boutique est ouverte. Donc, on fait un événement ici. On va avoir un artiste invité, Luc Fontaine. On est en train de préparer cet événement-là pour vous. Beaucoup de clientes se sont déjà inscrites. Il n'est pas trop tard si vous voulez vous inscrire. Regardez si c'est joli. Léger, mais quand même pas trop près du corps. C'est un small. J'aime son ampleur. Petit col baveux qui n'est pas du tout près du corps. Donc, vraiment un super beau chandail qu'on pourrait mettre avec le pantalon cuivre de la même collection. Je pense qu'on l'a ici. Mais je pense qu'on peut aller aussi. Ah, c'est plus doré. Mais ça pourrait aller parce qu'on en a aussi dedans. Mais je pense que ça fait peut-être extrême avec les couleurs comme ça. Pourquoi pas y aller avec
soit du noir ou même du crème, ça pourrait être beau aussi, quelque chose de plus neutre. Donc, voilà pour CYC, celui-ci qu'on a disponible dans les deux couleurs, je vous dis le prix, c'est 65$, donc ivoire avec les petits cœurs bleus ou bien le noir ici avec les cœurs dorés. On a reçu aussi toutes les grandeurs dans le fameux pantalon cuir vegan kaki. Ça a été vraiment une couleur populaire. Puis si vous voulez mixer avec quelque chose de très, vraiment joli ensemble, le chandail qui est très, très doux de la collection. Ça ici, c'est la collection de Dex. Vraiment, c'est un match parfait. Deux compagnies différentes, mais vraiment le bon vert. Étant donné qu'il est étroit, c'est très beau avec le chandail un peu plus long. Peut-être que je peux l'enfiler, puis ensuite terminer avec la robe. Mais pendant que je l'enfile, il y a Aline qui vient vous donner un aperçu de la collection de Luc Fontaine, qui est, ça vous donne un petit avant-goût, parce qu'il y a vraiment des items qui vont être seulement dans la soirée. Donc, Aline, elle va vous montrer ça pendant que j'enlève mes choses. Là, je suis en train de présenter une belle tunique de Luc Fontaine. Des poches, puis une super belle en colure, là, le beau détail des manches. Mais là, j'ai fait une petite astuce, j'ai triché, je me suis fait comme une robe, parce que ça, c'est une tunique. J'ai mis la jupe de Luc Fontaine en dessous. Regardez les beaux détails, elle a un beau petit jupon en dessous avec un petit peu des petits froufrous par en dessous. Fait que vous me direz si vous aimez mieux. Ça fait une robe complète que j'ai mis avec des leggings puis les super bottes, les super bottes et les Jacobson. Puis là, par la suite, si j'enlève la jupe, vous me direz si vous aimez mieux. Comme ça. Mettre la jupe. Comme... Oui, OK, c'est bon. Ouais, comme ça, c'est la tunique comme toute seule. C'est tellement une idée, hein, avec la jupe. Oui, ça fait une robe complète. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une petite aperçu pour l'événement. Donc, j'ai enfilé le fameux pantalon ici de la collection CYC avec le fameux chandail. Regardez, c'est une belle couleur, le kaki. C'est comme je vous dis, c'est un pantalon qui est très gainant. C'est vraiment quelque chose qui retient. Tous les clients qui l'ont acheté ont trouvé le style très flatteur pour la silhouette. Alors, regardez avec ça, ça fait un look très sport. Comme on a besoin qu'un chandail un petit peu plus épais, mais il est tellement doux. Puis quand même, c'est un mélange de viscose, donc c'est pas quelque chose dans lequel on va avoir chaud. C'est vraiment une très belle fibre. Oui, j'aime ça le kaki. Est-ce que vous aimez le kaki à la maison? Il y a plein de... J'ai pensé là, la possibilité. Eston, bon matin. Aline, Claudette, bonjour Carole, José. Donc, Marie. OK, c'est une blouse que... Ouais, bon, on va l'essayer. Mais je vais en profiter pour vous montrer que le kaki et le noir, c'est toujours super joli ensemble. Une cliente nous a donné comme commentaire qu'elle voulait qu'on essaie la belle blouse. C'est la blouse d'abricot avec la dentelle. Écoute, elle est vraiment magnifique. Je vous montre ça à l'instant. En direct, hein, c'est vraiment... C'est le fun que vous demandez. Faites des petites demandes spéciales. Ça me fait plaisir de l'enfiler pour vous. Celle-ci, c'est la small. Je pense que la grandeur, c'est quand même bien. Là, c'est sûr que c'est les petits boutons. Je vais être capable de la mettre sans déboutonner au complet. Moi, je suis une paresseuse. Hein. Faut que ça aille vite. Donc, on essaie de l'enfiler. C'est sûr que c'est vraiment un chemisier qui est magnifique. Hein, c'est sûr qu'on regarde toujours le dessous. Donc, c'est vraiment... Celle-là, elle habille vraiment sa taille. Puisque c'est une small, je le sens très bien sur moi. Ni trop ajusté. Ni trop lousse. C'est vraiment superbe avec la dentelle. Le col aussi, il est vraiment très joli. Encore là, moi, je me permettrais de le porter à l'intérieur pour allonger tout de suite la silhouette. Là, j'ai pas de bottes pour... puis vous avez remarqué peut-être que j'ai déjà mis mes bas de laine. Hein? Moi, quand il fait comme un petit peu plus froid, j'ai déjà mes bas un petit peu plus chauds. Justement, là, on en a reçu des bas de laine qui sont, très populaires. Notre rack est quasiment vide, il va falloir le remplir. Donc, très jolie de la collection Abricot. Cette petite robe, cette petite blouse qu'on peut porter, hein, la dentelle est très présente, donc on peut la porter maintenant, mais dans le temps des fêtes aussi, ça va être vraiment un beau morceau pour le temps des fêtes. On termine avec la jupe
de la collection tricot, la robe de la collection Tricoto. C'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que c'est un style qui fait très rétro. Je vous l'enfile. Là, je vais cacher mes bas. Cacher mes bas. Y a-t-il des réponses pour les foulards? C'est quoi les tendances? C'est qu'est-ce qui était le plus... parmi les foulards, c'est quel qui était le plus aimé parmi les trois foulards? Ah, Suzanne? Ouais. C'est lequel des foulards qui était le plus aimé avec les réponses des clientes? Ça m'intrigue de savoir. Bon, j'enfile la robe. Regardez les détails de cette robe-ci. Ça fait un petit col Claudine, vraiment un petit peu paysage, mais c'est quand même un col V, fait que c'est pas trop sage non plus. 189$, je vous l'enfile. On a le petit col blanc et le poignet blanc aussi. Je vais vous montrer comment on... Regardez si c'est joli. C'est belle, beau petit col ici avec... ici, elle est un peu plus longue pour moi, mais c'est fait exprès pour être tournée, pour faire un revers comme ouvert, comme ça. Donc, c'est la nouvelle robe de la collection Tricoto qui fait vraiment différente. Et puis, c'est un tissu qui est moins moulant, étant donné qu'il est un petit peu plus épais. C'est un beau tricot, une très belle qualité de tissu, avec les petits cœurs. Donc, hein, je pense qu'on a cœur, amour plus amour égale amour, hein, sourire. Je trouve que c'est des bonnes formules pour prendre la vie du bon côté. Donc, vraiment une belle robe. Encore là, on monte le petit manche pour avoir une silhouette plus allongée. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour vous inscrire à l'événement. Écoute, j'ai une barrette, hein? C'est comme, je suis toute ébouriffée. Fin de vidéo, je vais être sûre d'avoir tout montré. Je pense que oui, on a fait le tour. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va encore vous donner des petits punchs de l'événement qui s'en vient au courant des prochaines publications. Ah, ben, ils ne sont pas encore étiquetés. La jupe, on l'a déjà. La jupe est 128, mais la tunique, on n'a pas encore le prix. Ça va être étiqueté sous peu. Écrivez-nous en privé, on va vous trouver la réponse sans souci. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et n'oubliez pas de partager et puis envoyez plein de cœurs pour de l'amour. Donc, donnez-nous de l'amour et on se revoit 10h30. C'est un rendez-vous tous les mardis et jeudis. Bye bye!